Bonjour. Ça fait bientôt maintenant une semaine que j'attends le bon vent pour pouvoir partir direction l'Espagne. Donc partir de La Rochelle vers l'Espagne, traverser tout le golfe de Gascogne. Mercredi dernier, j'ai laissé passer une bonne fenêtre météo. Mais on n'était pas prêt pour partir. J'ai regardé ce qui était prévu. Toute la semaine, c'était pas terrible. On avait plutôt du vent d'ouest, c'est-à-dire de face. Sauf mercredi suivant, où ils annonçaient que le vent passait à l'est. Donc j'ai attendu pendant une semaine que le vent passe à l'est et qu'on puisse être au portant. Mais la météo étant changeante, le créneau de vent d'est s'est réduit jusqu'à ne plus exister. Et aujourd'hui, on a un créneau vent de travers, légèrement grand large le mercredi, et très très vite, on repasse au pré ou bon plein, enfin en tout cas, on est le vent de face. Alors, je vais vous faire voir mes prévisions météo. Je vais donner quelques petites explications de base pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, ça c'est une carte météo de base avec plein de flèches qui indiquent le vent. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les grands traits indiquent la direction du vent. Un petit barbillon correspond à 5 nœuds. Un grand barbillon correspond à 10 nœuds. Là, un grand plus un petit, c'est 15 nœuds. Deux grands, c'est 20 nœuds. Voilà. Et puis deux grands et un petit, c'est 25 nœuds. Et ainsi de suite, on continue à monter dans les forces de vent. En haut à gauche, nous avons la date de la prévision. Et ici, nous avons la position du bateau à La Rochelle. Là, je vais commencer à faire défiler le temps. Donc, nous sommes mardi à 20h, 23h. Le vent s'oriente peu à peu vers du nord-nord-ouest. Donc mercredi 17h là, 20h. Et voilà. Ça repart direction ouest doucement. Jeudi 20h. Jeudi 23h. Il y a de nouveau là, voilà, on l'a bien dans la tronche de ouest. C'est pas terrible, mais je vais quand même partir parce que sinon ça m'oblige à attendre jusqu'à mardi prochain. Là, c'est un modèle de route calculé par rapport à la météo, calculé par l'ordinateur. Donc le petit point qui se déplace sur cette route, c'est le bateau. Avec, vous pouvez voir le vent au même moment. Donc ça donne des statistiques avec la vitesse. Cette route est établie par rapport à la polaire du bateau. Donc la polaire du bateau, c'est les vitesses données par le constructeur à toutes les allures du bateau. Ce tracé permet d'avoir une estimation du temps et de la durée du trajet. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà parti. J'espère que la météo sera pas plus mauvaise que ça.